ce scribe aux longues franges du parti des pharisiens, qui me cache âne à moitié, je le reconnais. Nous nous sommes rencontrés la première année au bord du lac de Génézareth. C'est lui qui m'avait demandé un signe. Il voulait s'assurer que j'étais bien le libérateur des Romains que tout le monde attend, le Messie annoncé par les prophètes. Alors que, aux dérisions, il était encore dans toutes les bouches que, la veille au soir, après que j'ai enseigné de l'autre côté du lac, dans un endroit réputé désert, j'avais une fois de plus organisé les agapes et fait que soit nourrie toute la foule de ceux qui étaient venus m'écouter. Au moins 400 hommes avaient estimé mes amis. Nombre qui, une fois rajoutés les femmes et les enfants, devaient plus tard nous revenir aux oreilles multipliées par 10. Comme il est courant dans les pays qui bordent la Méditerranée, quand ceux qui ont vécu un événement qui sort de l'ordinaire veulent en accentuer le côté merveilleux. C'était au début de l'aventure. Le bruit des guérisons que j'opérais au nom du Père me précédait. Beaucoup se demandaient si je n'étais pas Jean ressuscité, mon cousin Jean, qui n'avait cessé de prophétiser. Jusqu'en la manière abjecte et insensée dont on lui avait ôté la vie, annonçant ainsi quel genre de mort peut attendre ceux qui se risquent à faire leur la bonne nouvelle. Pendant que je lui répondais, je me revois m'interroger. Entendra-t-il, entendront-ils, lui et ceux qui l'accompagnent, que je ne suis pas venu pour libérer Israël des Romains? Que le tour de magie qu'il me demande n'est pas ce que Dieu souhaite me voir faire? Que le signe que Dieu, lui, veut que j'accomplisse, c'est avant tout de montrer à chacun comment il doit aimer, de lui faire voir combien est vivifiant de partager ce qu'on possède avec ceux qui nous entourent, quels qu'ils soient, et de même de faire accepter à ces derniers de devenir les premiers, en apprenant à recevoir en toute simplicité. Un enseignement si important qu'hier soir au Cénacle, je l'ai assorti d'une autre exigence. La nécessité, pour ceux qui hériteront de la charge de tenir haute cette lumière allumée lorsqu'à mon tour je serai parti, de veiller à rester toujours à la place qui doit être la leur, celle de serviteur. Nécessité de la simplicité que j'avais encore essayé de leur faire comprendre l'autre jour en montant sur un âne, le plus humble des animaux, tandis que je me rendais vers ceux qui m'attendaient en brandissant des rameaux et en disposant leur manteau sur le sol pour me faire roi. Pour qu'ils découvrent que c'est en acceptant de prendre à bras-le-corps cette vérité qu'ils savoureront vraiment la vie, y mettront du sel, ne la consumeront plus bêtement, c'est le cas de le dire, instant après instant, jour après jour, comme s'ils étaient des endormis, tels des morts-vivants qui n'ont d'autre perspective que devenir des os blanchis enfermés dans des sépulcres. Suis-je même allé jusqu'à leur asséner un jour pour les réveiller, afin qu'ils réalisent combien il est urgent qu'ils changent de comportement, et on finisse avec l'illusion qui fait prendre trop souvent certains pour plus importants qu'ils sont. Derrière lui, je revois les quatre pattes blanches d'un chat se glisser furtivement dans l'entrée d'une maison. Je demande à mon tour, qu'est-ce qui nous différencie fondamentalement des animaux, des plantes, de cette place de village sur laquelle nous sommes, des maisons qui nous entourent, des oliviers qui s'étagent sur la colline là-bas, au bout de la rue, des nuages qui en ce moment même moutonnent de blanc le ciel au-dessus de nos têtes? Silence. Tous se taisent, même le savant. C'est étonnant comme la plus simple des questions laisse sans voix dès qu'il faut penser par soi-même. Pourquoi ne répondent-ils pas? Les uns après les autres, je les observe. Aucun n'ose ou ne veut prendre la parole. Pourtant, la question étant ainsi posée, la réponse ne coule-t-elle pas de source? Aurait-il peur de regarder la vérité en face? Leur amour propre est-il si fort qu'il leur fasse craindre de s'exposer? Je leur tends une perche. Que dit le premier commandement? Silence. Aucun ne veut prendre de risque. Commençant à m'impatienter, je précise, c'est pourtant pas compliqué. Il suffit de choisir entre les trois éléments qui nous composent, qui composent notre personnalité, notre âme,
notre intelligence et notre corps. Je lève le manteau en direction du scribe. Enfin, il se décide. Notre âme. Ah, quand même, je m'assure. Tout le monde est d'accord ? Comme si je leur avais enlevé un poids de la poitrine, d'un hochement de tête, parfois de la voix, ils acquiescent. Je leur ai dit ensuite que nous n'avions rien que nous ne puissions perdre. Nos biens, pour ceux qui en possèdent. Les êtres que nous chérissons par-dessus tout. Notre santé, du corps évidemment, mais aussi de l'esprit. Pour en arriver au sein des saints, notre conscience, qui, elle, ne peut nous être ôtée. Laquelle, en définitive, est le seul bien que nous possédons vraiment en propre. Notre conscience ou notre âme, selon le terme qu'il plaît à chacun d'utiliser. Cette voix dont Dieu se sert pour nous faire entendre que, si nous voulons vraiment réussir notre vie, il faut aimer. Tout simplement. À commencer par nos proches, justement. Et j'avais conclu, affirmant plus que je ne demandais afin que cette discussion ne reste pas sans lendemain, si donc votre âme est la partie essentielle de notre être, ne devez-vous pas veiller à en prendre le plus grand soin ? Oui, je le reconnais, ce scribe qui se tient là, droit, devant Anne, parmi les courtisans que Caïphe avait envoyés pour m'espionner. Je l'ai appris plus tard. Qu'a-t-il dit de retour de mission ? S'est-il contenté de rendre son rapport ? Ou bien est-il allé plus loin ?